tournoi début décembre. C'est pas le mien, mais c'en est un autre. C'en est un autre. Restez branchés sur les ondes, on n'en dira pas plus. Et nous sommes partis, LG, donc pour Lézard Galactique contre le petit Prout. Lézard Galactique. De sa région. Ouais, c'est Lézard Galactique. Non, wow. C'est Lucario Galactique. Ah bon? Ah oui. T'es sûr? Bah, je suis vraiment sûr, parce que pour le coup, LG, on a beaucoup discuté, on a beaucoup interagi online. Ça veut dire qu'on a menti. Oui. On m'a menti. Oui, vraiment, t'as menti. Hein. On m'a Skyrock. C'est vraiment Lucario Galactique. Enfin, Lucario Galactique, c'est même encore mieux. Mais l'FM, il est en train de nous dérouler les pourcentages. Hein. Ouais. Attends, vraiment, il a juste dit, tu vas backer, je vais rester debout. Oui, je ne vais rien faire. Qu'est-ce qu'il... Il a crouch sous le grab. Ah, ouais, non, mais. Ouais, je suis un peu aussi chinkbar que toi, tu vois. Moi aussi, ça me surprend, je vais pas te mentir. J'essaye de rien laisser paraître, mais bon, je t'avoue que. Des fois, chinkbar. Ah, des fois, on est en mode. Ouh, dis donc, il s'en passe des choses. Oh là là. Mais voilà, évidemment, F-Tilt, tu as eu raison de ce dinosaure de Denver. Évidemment, on va tenter de le faire pour abattre l'ennemi, mais. Le dernier dinosaure. Mais FM, là, on prend déjà très très peu de pourcentage. Et sur TC, ça tue extrêmement tôt sur les côtés. Et ça fait plaisir, quoi. Ouais. Et là, on continue. Hein, voilà, on gratte quelques ballons par-ci, des nerfs par-là. Ok, bonne punition. C'est vrai que le nerf auto-shield de Yoshi est très très rapide pour le coup. Donc vu que ça touche que corps à corps en plus de ça, Wi-Fi, donc elle va forcément se faire punir. Bon forward air là-dessus. Est-ce qu'on peut aller à suite? Non, le ballon va à chaque fois le gêner. Ouais, là, mais... pour le coup, j'ai aucune idée du match-up. Tu pourrais pas te dire. Juste que FM a fait le tournoi à Lyon, là, le Circus. Ouais. Il a fait top 6. Perdu face à... c'était quoi? Rehan et Dizei. Donc, ok, my bad. Rehan et Draver. Et il a battu deux fois Yoshizor. Donc Yoshi, il a l'air de maîtriser. Oh là 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 là. Il a l'air de maîtriser, mais surtout, mais est-ce que tu as vu juste sur ses collats, il est juste en mode, il s'amuse et incroyable. Ça se voit. Et on, par contre, mine de rien, on arrive quand même à pas mal résister hein, côté LG, mais même très très bien résister sur ce spike. Gros coup de nez, gros coup de Koshi direct sur la blast zone du bas, très très bien vu. Ouais, en effet, et là, back air, déjà 24% et nerf en plus de ça, voilà, pour mettre un sort de mur. Forward air, up air, gros forward air encore de nouveau. Non, d'ailleurs, c'était forward tilt d'ailleurs. Ouais. Mais waouh, c'est monté vite là, déjà 90% va récupérer le landing. Nature. Oh la folie. C'est genre riz blanc sans sel, même pas de sauce. Genre, ah ouais, tu ris comme ça devant moi. Bah, ok. De tête, mais les deux se sont rendus mais face de fou, sur face de fou. Ouais, par non, ouais, vraiment, et heureusement qu'on l'a trouvé ce qu'on peut dire tout frame, ouais, ce tout frame au niveau de ce bord de terrain côté Yoshi qui a permis de complètement enterrer dans la blast zone du bas cette Wii Fit et après on a juste snowball quoi. Ouais. Effet boule de neige, on a capitalisé là-dessus. Il va falloir que QFM continue un petit peu sa magie s'il veut l'emporter contre LG. Ouh. En effet, bon, ça s'est échangé face pour face, ouais. Donc je pense que si on peut avoir le momentum de son côté, le rythme tranquillement se mettre dans le match et derrière juste dérouler encore et encore, ça peut juste aller trop trop vite en fait. Ah, très clairement, ça peut aller vite, hein, sachant que les deux ils ont un petit peu des confirmes un petit peu inattendues qu'on pourrait connaître, mais surtout des confirmes qui font super mal. Ouais, clairement, et là, forward air, on a tenté, on ne l'aura pas ici, attention, très bon grab de la part de LG. Ouais, vraiment, pour le coup, là, ça, on est la situation un petit peu de corps à corps, et dans ces situations, Wi-Fi est très très forte, mais des fois, Yoshi, il est encore plus. Attention à ce shield qui se rate ici énormément, soit un petit peu coup de fessier, disons-le, du dinosaure. Oh, attention, footstool, on n'aura pas la suite, on n'aura pas le F-Tilt, on va essayer de couvrir derrière avec le Sun Salutation, on passe en dessous du back air et F-Tilt en punition. Belle présence d'esprit là-dessus. Ah non, oh, pour attention. Le coup, vraiment, c'est ces phases un petit peu d'attente où on regarde ce que l'adversaire fait pour ensuite venir le punir. C'est FM le fait souvent et ça a beaucoup de reward, hein, disons-le. Ouais, complètement. Allez, là, on essaye de remettre un peu d'espace avec ce Yoshi, avoir le temps peut-être de mettre un ballon, avoir un Sun Salutation de secours parce qu'on n'a pas envie de mourir. Malheureusement, on va finir par graille ce grand back air en corner. LG qui est très fort pour réduire la distance, pour mettre de la pression là-dessus. Ouais, vraiment. Que ce soit dans le bouclier ou autour de toi, tu vois. Ouais, non, vraiment très clairement. Et surtout, on abuse un petit peu de la mobilité aérienne de Yoshi. On le voit surtout faire des énormes sauts au-dessus de cette Wii Fit. Mais le problème, c'est qu'à force de sauter au-dessus de moi, bah, tu vas te prendre un coup de pied sauté. Donc, le back air de Wii Fit. Et ça permet surtout à FM de prendre l'avantage.
Ouais, en effet, mais là, attention, attention, on l'a vu à la game précédente, on avait une bonne avance. Également, les phases de LG qui vont juste trop vite. Là, on a re-grab, est-ce qu'on peut revenir? Oui, mais il faut sortir de ce ledge. Il faut sortir, et là, pour l'instant, LG ne veut pas laisser le moindre pied s'avancer du centre du terrain. Et là, on continue. Forward air, on n'arrive pas à mettre le moindre neutral air, on n'arrive pas à mettre le moindre hitbox pour pouvoir se libérer un peu de ce corner et enfin reprendre centre, mais encore une fois neutral air là pour nous rappeler à l'ordre. Non, vraiment, tu l'as dit, mais c'était assez impressionnant le temps qu'on a passé en piège de bord, le temps qu'on a passé sur ce bord de terrain à ne plus pouvoir remonter sur le terrain justement. Mais là il déroule, et une fois que le neutral a été reset pour FM, bah on a quand même mis 100%. Il va falloir conclure parce qu'on sait que Yoshi avec des belles rides avec un forward air, donc le move qui spike, ça, les stocks partent très très vite. Ouh, et là on a failli punir hein, ce cross up avec le up sachant, on l'a vu, mais en effet il faut faire attention, ça peut partir super vite. Là par exemple on shield bien ce forward air, mais juste derrière on peut un peu insister sur ce bouclier, réattaquer encore et encore. C'est la force de Yoshi, c'est vraiment, il peut y aller, il a une bonne frame data, il peut te frapper mon gars, il peut un peu te bourrer pour pouvoir te mettre la pression. Et là pour l'instant ça réussit très très bien à LG. On a failli avoir la ride, mais là dessus FM qui a heureusement une très grande role avec WeFit. Mais là, attention, on n'arrive pas à avoir les rides, on n'arrive pas à lasser shield contre shield depuis tout à l'heure. FM qui n'arrive pas à trouver la solution, à trouver l'ouverture dans ce bouclier, la side B. Ouais, non, pourquoi pas, et là, mais le truc, c'est que, ok, pourquoi pas, et on est resté complètement au sol. Et heureusement, ça nous a permis d'esquiver un petit peu le coup de pied vers le ciel, le smash de Yoshi. Mais là, on se fait rattraper comme pas possible. Attention, LG, on est lourd. Yoshi est quand même un personnage qui n'est clairement pas léger. Mais, 141%, le reverse peut être très 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 rapide. Ah, en plus de ça, on va lâcher le Sun Salutation du mauvais côté, on se retrouve en corner, on a vu à quel point on était peu à l'aise dans cette situation, et là il faut vite en sortir. Très grand saut ici, on va finir par prendre le up smash. FM qui n'arrive pas à sortir de ces mauvaises situations, il n'arrive pas à sortir de ce corps à corps. Oh, c'est FM qui a gagné. Et on c'est est choc-bar. On est choc-bar. J'ai rien compris, mais ok. FM, en mode... Je te fais parfaitement confiance, François. FM en mode ouais. Personnellement, je pensais que c'était du coup LG qui allait remporter. Mais moi aussi, j'ai cru que c'était Bakker. Mais il était sous 10 brefs pour que le upper tue à ses pourcents. Ah, je n'en savais rien. En tout cas, la magie, ouais, il l'a créé. La magie, il l'a créé. Il va devoir un petit peu la continuer. C'est extrêmement serré. LG, il nous propose un tournoi de fou furieux quand même, Broku. Ouais, en effet. Hein. On rappelle, je sais pas combien il était seed, mais c'est vrai que LG, à chaque fois je vois faire des résultats, il fait de très bons résultats à Montpellier, mais pas des résultats comme ça, tu vois. Même si il me semble qu'il a une bracket, il a eu pas une route simple, parce que clairement ce top 32 était super dur. Ouais. Mais il a pas eu les gens qu'il aurait dû avoir, tu vois, parce que il y a eu beaucoup d'upsets durant ce tournoi. Mais c'est quand même une énorme run. Genre là, on est en 7-1. On est en 7-1. Sachez qu'il a perdu une énorme fois. Il a dû gagner 7 BO, 7 parties. Est-ce que vous vous en rendez compte? Bon. C'est énorme. Et il était de base seed 24. Donc il aurait dû normalement finir à la 24e place. Il nous propose vraiment une performance. On peut le dire, c'est le tournoi. C'est le tournoi de LG. Pour l'instant, c'est clairement son tournoi. Mais attention, il y en a un également qui est en très belle forme. C'est FM. Hein. Le seed 1, on rappelle. Très beau match face à Kenini. Bon, seed 1 uniquement pour l'équilibre. Pour les couleurs, on le rappelle. En réalité, hein. on sait pas en fait. En vrai, on sait pas. C'est tellement serré entre les 4 premiers seeds que franchement, je pouvais pas trop donner un gagnant. Quoique, peut-être que Nini favori. Nini favori dans la région de Montpellier. Bon, tu vois, ces phases d'attente qu'il a, FM. Genre, c'est juste, ok, je ne veux pas forcément faire des gros commits, donc faire des moves un petit peu en mode, bon, ça passe pas. Juste, c'est vraiment l'attente et la réaction. Mais quoi? Le backer comme ça, là, au bout d'un moment, t'en as marre, hein, t'essayes de t'enfuir, t'as un Yoshi constamment sur ton dos, tu dis, c'est bon, frère, fous-moi la paix. Hop, le backer, excellent, il sort assez vite quand même, mine de rien. Et juste derrière, un upper qui a mis 15%. Ouais, 15% pour le coup, évidemment, c'est le dit bref. Hein, d'ailleurs, toi qui as tellement l'habitude de voir, de voir FM jouer, sachant que Wi-Fi, c'est un personnage assez particulier, on l'a même pas présenté, peux-tu peut-être nous expliquer ce qu'est le dit bref? Bref, c'est simple, c'est ce QTE comme on aime bien l'appeler, c'est-à-dire t'attends et t'appuies au bon moment. Alors, en tout cas, quand FM le loupe, on le vanne, on dit « Ah, t'as loupé ton QTE ». Que fait ce buff? Parce que c'est un buff, c'est vraiment il augmente les dégâts, l'éjection, la vitesse au sol, la vitesse aérienne et même le poids. Et oui, c'est ça. Ah, ok, je pensais qu'il réduisait un petit peu le knockback, mais non. C'est du coup, il augmente non, le poids ah non, de non, il augmente le knockback aussi. Ah oui.
Enfin, il baisse. Ah non, d'accord. Non, il augmente le poids. Ok, il augmente le poids. Donc WeFit devient un petit peu. Bah, littéralement, elle met des poids. Voilà, elle met des poids au niveau des mollets. Et des poignets. Encore ce backer. On les trouve tellement bien. Bon, est-ce qu'on attend qu'il y ait l'air dodge qui ne va pas être puni? Est-ce qu'on va tenter dash attack? Et où il a dash attack? Mettra les 9 petits pourcents, mais il va falloir ne pas perdre ses stocks et surtout mettre pas mal de pourcentage pour peut-être préparer la dernière stock pour FM. Ouais, là faut faire attention. Ok, bon side B, up tilt. On va utiliser le double saut armure à son avantage pour pouvoir reverse juste derrière avec un back air. Très belle présence d'esprit de la part d'LG. Et FM du coup de nouveau au sol. Beaucoup de jeux dans les airs du côté d'LG. Le problème c'est qu'on atterrit sur ce up tilt hein, qui est vraiment très très bon et qui permet du coup à FM de gratter de bons pourcentages. Là attention en juggle, c'est peut-être notre point faible ici. Maintenant il faut réussir à s'éloigner. Le Yoshi qui multiplie ses assauts depuis tout à l'heure. Jab 1, on va essayer de down B. Ouais, l'étoile qui nous empêche de punir derrière. On temporise, on gagne du temps. LG qui à chaque fois ralentit le rythme, le réaccélère. Et c'est tellement dur de suivre et savoir ce qui se passe. Ouais, vraiment, mais ces mix-up, c'est incroyable. LG, il est en train de, comment ça s'appelle, mettre une pression back-air énorme. Et encore ce back-air est toujours 3 stocks, 3 vies, 3 back-air, mon très cher Roku. Ça, c'est mon joueur. Il vient à mes tournois à Rockford Abedoul, il met que des back-air. Que des back-air. Bien vu, ça, mon grand. Tu fais une très bonne pub. Il fait une très bonne pub, mais là, LG, il m'a fait peur. Mais il m'a fait vraiment peur. Est-ce que t'as vu à quel point c'est incroyable comment il ralentit le rythme un peu dans les airs, un peu il envoie des œufs et d'un coup il réaccélère dans les phases d'avantage, d'un coup il trouve un grab, il trouve un pivot grab d'un coup. C'est incroyable que d'un coup il te surprenne et c'est super dur de tenir le rythme. Et pourtant FM, qui a un perso assez particulier au corps à corps qui, on rappelle, ne touche pas devant lui. Oui, on rappelle que ce perso est terrible, hein, il ne touche pas devant lui. Et vous vous rendez compte de la folie. C'est vraiment une folie furieuse et mine de rien on arrive quand même à trouver. Bah c'est simple, il touche pas devant lui, du coup bah backer. Du coup évidemment en coup de pied. Et on en trouve de plus en plus. On a quand même une sacrée habitude à shield pour FM. Du coup bah qu'est-ce qu'on fait? Neutral B, coup de langue. Et du coup hop là, on le met dans le cocon, on le met dans l'œuf. Et ça permet d'augmenter pas mal les pourcentages sur la Wii Fit. En effet, là on va utiliser la plateforme à son avantage pour pouvoir rester offstage. Bien vu ce forder là qui va pouvoir nous couvrir un peu au-dessus de nous. Et là, on essaye hein, d'avoir beaucoup de neutral air, etc. Mais à chaque fois, LG, il est shield, il les voit tous. T'as vu? Parce que première game, on en a pris un peu des neutral air au début, en tout cas. Et depuis, j'ai l'impression qu'on n'en a pas pris un seul. Et oh là là! Le commit, le call, peut-être, était exceptionnel, évidemment. Enfin, on l'a mis. On l'a loupé, malheureusement. Mais il a pas pensé son smash vraiment. Et ça a permis à FM d'être très très bien dans cette game. Et là, c'est un petit peu terrible, car on est peut-être sur la dernière game de LG dans ce tournoi. Et je pense que FM il va bien vouloir reprendre sa revanche contre Kenini. Mais est-ce que LG va le laisser faire ça? C'est pas sûr. Non, ça c'est pas sûr, hein. On le voit depuis tout à l'heure, il est dedans. Il est dedans et encore une fois il a bien shield. Il a la ride ici, très bon forward tilt. 3 up, non il a loupé le troisième pair. Il a préféré partir sur un air pour aller plus safe au final. Le fait qu'on soit très fin du côté de WeFit, ça va un peu le bait et le up smash sur le crossover. Excellent. Pourquoi tu taunes, frère? Taunt to get buddy instantanément. Mais on n'a pas pris énormément, on n'a pas pris très très cher sur cette taunt, sur cette taunt. Mais on va par contre perdre l'avantage state. Et ça, pour le regagner face à LG, bah ça c'est une autre paire de manches. Ouais, notre alerte encore une fois directement shield, hein. LG il sait, hein. Ah, essayez, pour le coup, essayez, on se met à distance de roll. Attention. Pourquoi pas backer, mais. Très bonne DI. Oh, QTE en plus, sans le QTE, on n'a pas vu, mais on connaît son perso. Hein. Les Moudras sont reconnus, mais peut-être pas assez pour esquiver ce smash de Yoshi. Et on est encore sur une last stock. C'est vraiment. Tu vois, même à partir de ce loser top 6, c'est ultra serré. Trop trop serré, on voit depuis tout à l'heure. Et là downer, on va chercher en bas. Ça y est, on va trouver ici cette phase. 58%, on a un peu loupé à la fin. Je crois que la fin du deep breath l'a un peu bait. Et du coup on n'avait pas la vitesse nécessaire pour continuer son follow up. Petit coup de luck là du coup du côté de LG qui reverse immédiatement la situation. Ok, bon back air, on va mettre une bonne pression sur le shield. À chaque fois derrière, si on se fait reverse, si on retrouve de la distance, C'est un up B qui est envoyé. Et là il se passe beaucoup trop de choses, un smash, un forward smash ici. On est renvoyé en corner du côté d'FM. Que se passe-t-il? Forward air peut-être? Non mais vraiment là, pour les deux, on sent que ça veut tuer. On tente, FM tente, LG tente. Pour le coup, ils veulent rien que du sang. Mais lequel d'entre eux va trouver cette stock en premier? On bourre un petit peu, peut-être trop côté FM. Et côté LG, pardon, et FM en profite sur peut-être ce dernier piège de bord. Backer, et non, ce sera le tilt. Oh là là là, mais quelle présence d'esprit. On n'avait même pas peur, on pensait.
Mais c'est fou de pas avoir peur comme ça. Comment il fait pour jouer ce truc?